Bonjour tout le monde, bienvenue, vous êtes sur Iva Sound Studio, une petite asso, radio, gaming, tout ça. Moi c'est Jake et aujourd'hui on va faire du WarioWare Get It Together. Il est sorti la semaine dernière, il y a 10 jours, quelque chose comme ça. Sur la Switch, c'est un nouvel opus de la série WarioWare. Je crois que c'est le 16e ou 17e épisode, quelque chose comme ça. Personnellement, j'en ai connu qu'un seul à l'époque, c'était sur la DS, c'était très drôle. Voilà, mais ce jeu m'intriguait. Pourquoi je ne suis pas sur l'écran de jeu directement? C'est une bonne question. En fait, juste avant le stream, comme d'habitude, je lance le jeu pour avoir une musique, un écran d'accueil, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai fait là. Sauf que ça envoie directement une cinématique importante, directement. Donc, je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc, c'est pour ça qu'on est sur cet écran là. Du coup, jouons ensemble à WarioWare, Get It Together, et on va voir ce qui se passe avec cette fameuse cinématique, si elle veut bien s'afficher. Voici un petit nez avec des poils, au passage. Chargement sur 20. Nous sommes à Diamantville. Un jeu Switch vient de passer. Super Pioro, le jeu vidéo génial. WarioWare Inc. Incorporation. Mon jeu est enfin prêt. Oh, il y a du monde. Ça y est, il est terminé. On s'est tous donné du mal, hein. Oh yeah, montre-nous ça vite. Admire la bête. Hein, quoi? Pourquoi ça marche pas? Ok, donc du coup ils sont tous aspirés dans le jeu vidéo quoi. Voilà de la musique et un vrai écran d'accueil. Enfin. Toujours avec une petite musique avec des poètes. WarioWare, Get It Together, c'est parti. Voilà, il y a plein de points d'interrogation partout. D'accord. Ah bah WarioWare qui va directement dans l'histoire. Salut Majiro, bon courage. Tant que ça? Ah ouais? Alors, c'est ici que commence l'histoire de Wario et de ses amis, jouer aux différents niveaux de ce mode pour poursuivre l'aventure avec eux. Ah, au fait, si vous maintenez Y, vous pouvez faire défiler plus vite les textes déroulants qui s'affichent ici. Il n'y a pas de quoi me remercier. Ah, c'est cool. Alors, vous ne pouvez pas encore sélectionner ce mode, armez-vous de patience et commencez par jouer l'histoire. Vous ne pouvez patati patata. Il y a un multilocal avec deux consoles, d'accord. Je suppose qu'on peut rajouter du monde vu qu'il y a un bouton plus ici, en effet, coop à deux. Je ne peux rien faire d'autre pour le moment que l'histoire. Très bien. Let's go! C'est quoi, c'est un monde ou c'est un niveau ça? Vu qu'il y a le bas qui s'affiche en bleu, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones je dirais. Je dirais qu'il y a 6 zones pour l'instant. Wario intro. Ah j'ai pas lu le texte, pardon, attendez. On repasse en accéléré. 1. Où est-ce qu'on est là? Comment je suis arrivé ici? Où sont les toilettes? Laissez tomber. On se remue et on y va. Ok, très bien. Pas étonnant que je me sente si léger. Je flotte dans les airs. C'est parce que je suis dans le jeu, point d'interrogation. Bah, on s'en fiche, je vole, c'est le principal. Wario,
Wario, ce créateur de jeux vidéo, adore les trésors, l'argent et l'ail, surtout l'argent. Tout devrait bien se passer, non? Bien sûr, tout à fait. Wario attaque dans la direction où il est orienté. D'accord, donc joystick et bouton A. Oui, c'est ça. Donc chaque perso va avoir ses spécificités. Diriger, attaquer. C'est plutôt sur 20. Ok. Jusque là, ça va. Tiens, ce serait pas mais... Mais si, c'est mon niveau. Le niveau que j'ai créé. C'est un bug informatique, ce truc. Un virus. Ce machin abîme tout ce qu'il touche. Ouais, en effet. Mais ça va pas du tout. Il va tout abîmer, mon niveau. Français sur 20. Stop! Dans l'espace. Ça, c'est la NASA. Il y a un aspirateur. Ok. D'accord. Diriger, attaquer, j'ai de la batterie. J'ai même pas le temps de dire. Bon, ça va. Oui, parce que le but de ce jeu, en fait, c'est que on a des niveaux, on sait pas ce qui se passe, on a quelques secondes seulement. Voilà. En gros, et on ne connaît pas les règles, en fait. Faut anticiper les règles. Et ça va aller de plus en plus vite. Bah voilà. Ah, nouveau perso. Wario, te voilà. C'est Criqué. Young Cricket. Ce disciple des arts martiaux s'entraîne fidèlement avec... Je sais pas le R. Master Mantis. Il raffole des boulettes de Yang. La spécialité de Cricket, c'est le saut. Maintenez A pour appuyer plus haut. Okay. Aya, aya. Ah, un nouveau. Mais alors, il faut savoir que avant que le jeu sorte, il y avait une démo qui était dispo, petite démo sur le Nintendo Wii Shop que je m'étais amusé à faire, et les personnages arrivaient vraiment au fur et à mesure en fait, et pas là, il a deux persos d'un coup. C'est bizarre. Voilà votre rappeur préféré, 18 volts à votre service. Regardez ça, le disque dans mes cheveux, je peux le lancer à volonté. J'ai même plus besoin de bouger en fait. Oh punaise, c'est lui qui bouge pas. Cet élève de primaire à la taille adulte excelle en rap et en jeu rétro. Son partenaire préféré, c'est son copain, 9 volts. Il lance son disque. Ok, d'accord. Oh punaise. La vie. Autant taper de n'importe quoi. Ah, il peut s'accrocher. D'accord. Ensemble, relayons-nous pour nous sortir de là. Je suis prêt. Retenez bien. Reproduisez. J'ai eu peur. Celui-là, j'ai vraiment eu peur. Et niveau réflexe, c'est tendu en fait. Protégez les fleurs.
Non, Griété. Ah, niveau boss. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un nez ou un aïe sur le... Ah bah pour le coup, c'est moi qui me suis fait éliminer. Ah, je suis obligé de le passer, d'accord. Ah, encore ? C'est pas fini ? Non ! Oh, punaise. Éliminé. Ok. Il va y en avoir 3. Oh non, les piques. On continue. Bon, ça va, il est permissif. Le mode histoire est permissif. Ouf, ça va. Non! Éliminé! Éliminé! Ok, on va y aller plus tranquillement, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas besoin de se presser. Il n'y a pas du temps en fait, le volcan il a fait un truc. Alors attendez, lui je me éloigne, j'attends. Ok. Ok, faut faire attention à la météorite aussi. Ok. D'accord. Le trésor. Allez, niveau 10 c'est fait. Mais vraiment, ben, ouais, ça, le mode histoire est quand même permissif. Tu croyais que t'allais m'échapper, hein? Oh le coup de tête. Waouh, les zones de corruption. Elles disparaissent toutes. À mon avis, ce truc, c'était un bug. Ça peut complètement... détraquer un jeu. Je vois. Je vois, si on supprime les bugs, tout pourrait redevenir normal. Ok. Ok, oui, pourquoi pas. Allons casser du bug. Young, Cricket et 18 volts se joignent à vous. J'ai reçu plein de pièces. Pourquoi il y a des nez là? Vous avez débloqué la Wariopédie dans le menu principal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça doit être l'encyclopédie. Vous avez débloqué le menu mission. Personnage. D'accord. Pourquoi il y a des nez là? Bon. C'est moi, Wario. Mon niveau intro n'a plus aucun bug. J'ai fait du bon travail. Vous pouvez jouer ici à une série de mini-jeux tout simples, tant que vous ne loupez pas tout. La série se poursuit. Alors, vous pouvez tenter d'établir un nouveau record. Moi. C'est Mona qui a préparé ces mini-jeux. Comment elle les a appelés déjà? Ah oui, vie quotidienne. Ils sont basés sur des situations de tous les jours. Enfin, si c'est ça, sa vie de tous les jours, j'échangerai avec elle pour rien au monde. Moi. Par contre, il y a des nez en bas. Pourquoi il y a des nez? Si c'est pas malheureux de voir ça. Hello. Salut tout le monde, me voilà. Mon scooter refuse de s'arrêter. Oh, punaise. Scooter sur 20. Mona, cette lycéenne est très prise par ses animaux, les études et le travail. Nul ne sait pourquoi, mais elle admire Wario.
Mona se déplace sans arrêt, orientée là dans la bonne direction. Le boomerang peut être dirigé comme Mona. Ok. Ça va être difficile. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Continuons, nous n'avons pas le temps de traîner. Mona, vie quotidienne. Quelle pagaille, mon niveau est totalement corrompu. Ce sont des bugs qui ont fait ça, mais c'est inadmissible. Allons-y. Choisissez quel personnage vous souhaitez avoir dans votre équipe, puis sélectionnez jouer si vous ne savez pas trop qui recruter, l'option choix auto. Laissez le jeu choisir votre équipe à votre place. Bah en vrai, choix auto. En vrai. C'est parti. Maison de Mona. Animaux de Mona. Ils ont détruit la maison. C'est ça? Bingo. Il y a beaucoup de références à Wario quand même. Boomerang magique! Ah. Ou pas. Le pauvre éléphant qui fait l'aspirateur et sa trompe. Le jour suivant, soyez sage. Évidemment. Diriger. Bon, ah là, on est sur des jours maintenant, regardez. Échappez-vous. C'est juste. Ah d'accord, mes vis, c'est les brosses à nettoyage là. D'accord. Non. Oh, c'était juste, j'ai fait tellement n'importe quoi. Pas réussi. Et point réussi. Cachez-vous. Allez, plus vite, plus vite. Poussez. Ok. Ôtez l'aimant. Et où l'aimant? Ok. J'ai du mal avec la madame au scooter. Hein. Ouvrez-le. Ok, j'ai pas compris, mais ça va fonctionner. Évitez l'écrasement. Bon, ça, ça allait. Génial. Je suis prêt. Boss. Faites le ménage. Mais non! Oh les petits coin coin. C'est des gâteaux, je m'en charge. Cassez la tirelire. Punaise, je l'ai pas compris. Allumé. Ok. Paint sur 20. Concentre-toi. Boss, j'ai qu'une vie par contre. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Terminer le colis. Ça?
Ok. Canette. Théière. Et canette. Oui, c'est ça. Punaise, j'ai pas regardé. C'est sac à dos. Alors, sac à dos, ça, sac à dos, et sac à dos, sac à dos, sac à dos. Mon dieu, l'armoire, elle est tellement contente. Elle fait la fête comme un chien, quoi. Il va y avoir un monde niveau par personnage, parce que du coup il va y avoir beaucoup de personnages en vrai. C'est nettement mieux comme ça, on a fait du bon travail. Mona se joint à vous. 1000 pièces. Ah d'accord, l'aîné c'est juste l'idée du décor. Ok d'accord. Parce que maintenant ouais c'est... Ok j'ai compris. Oh là, il y a plein de choses qui apparaissent. Sauvegarde. Coucou, c'est moi, Mona. Nous avons donné à ce bug la douche froide qu'il méritait, n'est-ce pas? Mon scooter volant permet de venir à bout sans souci des défis de ce genre. Dans mon niveau vie quotidienne, les situations du quotidien se transforment en des mini-jeux amusants. Mettez-y toute votre énergie. Bien. On va aller en face. Et on va ici avec dribble et speech. Fantastique. Alors là, on serait au niveau fantastique. Je crois que c'est dribble et speech. Qui se le sont tapés. En tout cas, j'adore les trucs fantastiques, sorciers, dragons, tout ça, je leur fais leur affaire. Je sais pas pourquoi ça sent pas bon du tout. Ah, regardez-moi ça, toute cette corruption, c'est affreux. Vraiment, moi je trouverais presque que ça en jette finalement. Oh non, alors, c'est dégoûtant. J'ai envie d'éternuer, attendez. Pardon. Pardon, deux fois. Désolé. Wario, justement, on te cherchait. Je suis J1 et moi J2. Ce duo de chauffeurs de taxi est prêt à faire une course à l'autre bout de la galaxie pour un prix toujours raisonnable. Mais ouais, mais du coup au niveau confort ça doit pas être top. Alors, le chien orange il tire vers la droite avec le bazooka. Et J2, donc le chat jaune, tire vers la gauche avec le sien. Mais comment on fait pour choisir les personnages en fait? C'est, ils sont les deux en même temps, ils sont chacun son tour. C'est bizarre. Oui, on a exploré les environs. C'est un peu partout le même chaos qu'ici. On dirait bien que les bugs ont corrompu tout le jeu. Et ben il nous reste plus qu'à éliminer ces bugs. Alors en route. Allez, choix auto encore une fois. Alors j'ai compris que là quand c'est verrouillé ça veut dire qu'il faut absolument choisir ce personnage. Bon après le reste... Attends, il y a combien de persos total là? Il en a fait 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, mais je pense qu'il y en aura peut-être d'autres encore. Allez, le faux. Taxi intergalactique de dribble et spitz. Spitz. 7-7-7-7-7-7. Et des radis.
J'aime bien les cinématiques. Allons-y. C'est où l'enfuyade? Ok, d'accord. Ça, ça va. Ok. Ok, la vie, c'est les extraterrestres en bas, là. Trier ? Pourquoi trier ? Pourquoi trier ? C'est bon. Ouf, ça va. La voix off de la fille, c'est Tracer sur Overwatch. Topela. Des fois, j'ai l'impression de faire n'importe quoi et ça fonctionne. Comptez. 5. Ah non, mais. Mais je sais pas, du coup, j'ai fait n'importe quoi là. Capturer qui? Ah mince. Ok. Oh punaise, mais il saute tellement haut celui-là. Un boss. Poséidon avec des tentacles. Pour protéger qui, Poséidon ou le lui là? Ok, j'ai compris. Ouvrez quoi? Ok. Non, mais il faut le protéger aussi. Ok. Oh là là. J'arrive pas. Oui, ok. Zeus qui a fait un gros roule à foudre. Géré. C'est pas simple, hein. On a bien fait le ménage. Oui, enfin, désolé, le petit chat jaune, mais t'as pas fait grand chose en vrai. C'est le chien orange qui a fait. Dribble et Spitz se joignent à vous. Il avait 1000 pièces. Bienvenue à bord, c'est moi Dribble, Spitz et moi. On continue à avaler des kilomètres avec notre taxi. Notre niveau est plein de mini-jeux à l'ambiance fantastique de la magie au dragon. Il y en a pour tous les goûts, alors attachez vos ceintures et en route vers de nouveaux records. Alors, gauche ou droite ? Allez, gauche. Docteur Krigor Technologie. Là, c'est le niveau de Krigor consacré à la technologie. Il a préparé tout plein de mini-jeux avec des mécanismes et des gadgets à la pointe du progrès. Faites gaffe où vous mettez les doigts. Moi, AA. Flap, flap, flap. Regardez, j'avance avec mes palmes. Oh punaise, il va être incontrôlable. J'aime bien le petit détail, c'est la bulle de dialogue, la pointe de la bulle qui suit le personnage qui parle, qui bouge en même temps que le personnage. J'aime beaucoup ça.
C'est un petit détail, mais j'aime beaucoup. Hello. Docteur Krigor. Docteur Krigor. Nom d'une pipette. Qu'est-ce qui se passe ici? Docteur Krigor, par ici. Mon info n'avait pas du tout cette apparence que je sache. Et Krigor. Oh, vous êtes ici, vous aussi. Splendide. Docteur Krigor, cet inventeur et savant, est un tel génie qu'il a réussi à se transformer lui-même en cyborg, en fait. Appuyez sur A ou maintenez le bouton pour que Krigor nage dans les airs. D'accord. Waouh. Diriger, nager. D'accord, j'ai compris. On casse tout. YOLO. Eh ben dis donc, il y a une porte-tête. Hein. Voilà. C'est ma partie du jeu, mais il y a quelque chose d'anormal. Sauriez-vous quoi? Oui, des bugs ont tout envahi. Ce sont eux qui causent ces perturbations. Ces bugs? Mais c'est formidable, je pourrais les étudier dans mon laboratoire. Je crois qu'il est perturbé lui aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, choix auto encore. Allons-y. Usine ultra secrète du docteur Krigor. Robot Fayot, début du test. Pourquoi il y a un perso avec un micro derrière ma caméra? C'est du rythme. Oh non, pas ça. Oh non, c'est du rythme. Oh non, c'est du rythme. Je vais devoir enlever l'écouteur. Pour écouter la suite. Plus de batterie. Robot Fayot, échec du test, il retourne en arrière. Diriger, attaquer. Assembler. Il a assemblé quoi? J'ai pas compris! Ok, là les vis sont des batteries à l'uranium. Échappez-vous. J'ai pas compris. C'est un honneur. Évitez la mise à nu. D'accord. Yo, j'adore. Allumé. Je me rappelle des cours au lycée. Vite. Observez. Oui, et donc, il faut faire quoi? Je sais pas. Le cœur, faut toujours choisir l'âme. Ok, c'est la 5G. Mais attirer quoi? Ah oui, les mains, vite. Wario, dans l'autre sens. Oh, punaise. 9. Je fais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai appuyé sur n'importe quoi. Ça a fonctionné. J'ai fait n'importe quoi. Dégagez la voix. Je suis où? Ok. Oui. Ok, c'est bon ça. C'est pas du rythme au final ça. Quelle clé? Oh non! Mais c'est le personnage mauvais qui... C'est pas le bon personnage. Oh là là. Abritez-vous. Caché.
j'ai pas fait grand chose, ça va, ça ok. Boss. Qu'est-ce que c'est ça? Attraper quoi? Le sushi là? Ok, sushi. Putain, j'ai l'impression de jouer à Sushi Striker quoi. Toi-même tu sais. Meilleur jeu de la Terre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'encre. De l'encre de poulpe. C'est de la gouache peut-être. Bon ça va, boss, le boss ça... Voilà. Le boss ça fonctionne. Docteur Krieger Technologie, le retour. Vous avez vu quel génie je suis? Krieger se joint à vous. Allez, 1000 pièces, c'est gratuit. Allez, je refais comme tout à l'heure. Je suis Docteur Krieger, le génial scientifique. Mon niveau est enfin redevenu normal. Quoi? Dommage que mon estomac, lui, continue à me faire toujours aussi mal. Je vous ai préparé des mini-jeux de technologie. Bon, je dois m'absenter pour aller aux toilettes. Mais ils ont quoi avec les toilettes, tout le monde, là? Alors, allez-y. Essayez de battre mes mini-jeux futuristes. Mais attention à ne pas les casser. Okay. Accent sur 20. Bah direction la droite, qui c'est? 9 volts, tiens donc, 9 volts. Oh, c'est le niveau Nintendo que 9 volts a préparé. Oh la Nintendo. Ces mini-jeux présentent tout plein de petites pépites de chez Nintendo, des jouets rétro aux jeux les plus récents. Bon, allez-y et vous éternisez pas. Bibi a envie de jouer aussi, c'est français sur 20 tout ça. C'est presque amusant, à force. Franchement, Digivolt, tu ne pourrais pas marcher tout seul. Au secours. Oh putain, c'est pas... Punaise, pardon. Punaise, c'est un gamin. 9 volts? Mon skateboard, il refuse de s'arrêter. Faut arrêter avec les véhicules qui bougent tout seul par contre. Hein. Cet élève de primaire qui file en skateboard est un as du yo-yo, un DJ reconnu et un fan des jeux Nintendo. Je veux un yo-yo. J'ai jamais su en faire, mais j'ai envie d'avoir un yo-yo qui s'illumine. Je veux un yo-yo. Je vais vraiment finir par me faire une vraie déco années 80 en fait. Bref, le sky de 9 volts le fait avancer sans arrêt dans un sens puis dans l'autre. Appuyez sur A pour qu'il s'arrête et lance son yo-yo vers le haut. Faut arrêter avec les véhicules comme ça, vraiment. Ah, par contre... Oh, punaise. Là. Ah, comme ça, d'accord, ok. Oh là là, perso sur 20. Ça, c'est du jeu. Mon skate est carrément passé au niveau supérieur. Qu'est-ce qui est arrivé à mon niveau? Il est tout cassé. À fond des bugs grignotent le jeu de partout. On va leur donner une leçon, alors je sens qu'on va s'amuser. Allez, de nouveau le choix auto. C'est parti. Bonjour le Wedgios. Comment qu'il va? C'est Cooking Mama? Ah non, c'est pas Cook. Attendez. Mais non, c'est pas un jeu Nintendo Cooking Mama. C'est un indé. Ok, il rentre. Ok. Le petit drapeau à Nintendo, le tonneau de chez Donkey Kong, une petite fleur, je sais plus où c'est, de Yoshi World. Bonne nuit. Super jeu en réalité augmentée. C'est un Tamagotchi. Chut.
C'est un Tamagotchi. Il va bien. Mon dieu, ses yeux de l'enfer. Attendez, je vois une Game Boy, je vois une SNES, une Wii, j'ai vu une GameCube aussi. Toutes les consoles Nintendo. Ok, là, les vies, c'est des vicœurs. Ah, je commence avec Wario, d'accord. J'aime pas jouer Wario. Livrer le cadeau. À qui? À qui faut-il le livrer? Je ne sais pas. J'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. Ça, ça a fonctionné. Grimper, où ça? Oh mon dieu, du. Quel bloc? N'importe quoi. Ça fonctionne, c'est horrible. Luigi's Mansion. J'ai encore envie d'éternuer, je suis désolé. DK. Qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Ça c'est du Metroid. C'était Samus. Samus Aran. C'était un Mario, je sais plus lequel. Ok, j'ai évité la pince. J'aime pas jouer Wario, punaise. Easy. Ça, je connais ça. Ça, c'est mon époque. D'accord. C'est tout? D'accord, ok, très bien. Ok, jusque là, ça va. Complimenté, tu es gentil. Tu es gentil, j'ai dit tu es gentil, j'ai dit tu es gentil. Punaise, mais j'ai cliqué gentil. Ça devait être un Fire Emblem, ça, vu les graphismes. Récolter un palais. Ça, c'est du Pikmin. Le boss, là, comme ça, c'est la FF, non? Qu'est-ce qu'il fait, le boss? Oh punaise. Non, je voulais la pièce sushi. Oh là là. Ah, il y a un vrai temps, il y a un vrai temps. Punaise, il y a les 5 pièces à avoir. Est-ce que je peux avoir le PayPal? Yes. Non! Oh, j'ai raté. Attendre. Du coup, j'ai raté une pièce Yoshi, j'en suis sûr et certain. Et j'ai raté le ça là-haut. Mince. Son époque. Mais ça va, oui, t'as qu'à dire que je suis vieux aussi. Bon, ça va. Ce monde niveau est passé. Ah, mais il était sur un Joy-Con, pardon. Il était posé sur un Joy-Con. Et ça, c'est ce qu'on appelle un KO. Un knock-out. Vous avez plein de pièces. Ok. Alors. Blubblub. Sauvegarde. Salut, c'est moi, 9V. Exterminer ce bug était super amusant. C'est juste génial d'avoir pu entrer dans notre jeu vidéo pour le réparer.
Mon niveau est consacré à l'univers Nintendo, j'ai rassemblé dans ces mini-jeux tout plein de choses que j'adore, des jouets rétro, des jouets les plus récents. N'hésitez pas à y jouer encore et encore pour établir ces records. Des records. Ok. Remix. C'est qui ça? C'est un perso? Nous avons déjà bien progressé, c'est quoi ce truc? Remix? Donc en gros, ce niveau réutiliserait tous les mini-jeux auxquels on a joué jusqu'ici. Oh punaise. Oh bah y'a pas 36 moyens de le savoir, faut y aller. Yahar! Oh là là, là ça va être difficulté sur 20. J'ai plus le droit de le dire, mais si tu les insistes... Oh là là, de suite. Un wagonnet de mine. On devrait pouvoir avancer pas mal avec ça. Il y a quelqu'un dans le wagonnet. Da-di-da. L'acoustique ici est parfaite pour du karaoké. Voici Mike, ce robot de karaoké créé par le docteur Krieger adore chanter, mais son public est quelque peu réticent à l'écouter. Mike lance des notes de musique avec sa bouche vers le haut. D'accord, c'est futur Hatsune Miku. Allez, c'est parti. Da-di-da, da-di-da. Je crois que je vais adorer ce personnage. Mais c'est Mike, allez viens avec nous. Oui d'accord, si vous insistez. Oui. Je suppose que ma carrière en solo s'arrête ici. Allez c'est parti. C'est parti. Oh on dirait un des niveaux de Rayman 3. C'est quoi qu'il faut faire? D'accord. Donc là, les vis, c'est cette manivelle. Mario World. Je le comprends pas celui-là. Le masque, je le comprends pas. D'accord, ils ne peuvent pas se... Bon, pas... Arroser. Non, mal allait tomber, là. Game over. Oh là là, je crois que c'est le premier ou le deuxième game over? C'est le deuxième, je crois. On continue. Dépenser sans... Ah non, je dépense pas sans pièces, je recommence. Non mais... C'est pas grave. Je me cache. Derrière le dinosaure. Parce que là ça va. Oui, parce que les jeux de mini-jeux ne sont pas les mêmes quand on recommence, sinon c'est pas grave. Ça serait trop simple. Là ça va. Da-di-da-di-da. Jusque là ça va. Thank you.
crois. Je comprends pas celui-là. J'ai pas compris. Celui-là, je le comprends. Mais... Ça, je sais pas. Ça c'est juste pété sur là. Mais non! J'y étais. Complimenté. Tu es épatant. C'était un moment parfait. Allumé. Les dessins sont très drôles. Abritez-vous. Mais où je m'abrite? Où? Là, ici. Là. Oh mon dieu, le saut de la vie, quoi. Collez-les ensemble, ça juste. Non! Tendu. Boss. J'ai deux vies sur le boss, attention. Je crois qu'il manque une pièce. Parfait. Dubi 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 dubi. Waouh. Je suis bien plus qu'un robot karaoké. Parfait, nous avons survécu. C'est l'occasion de chanter tous en chœur. Mike, toujours un tabou. Une pièce. Ah, on monte. C'est pas fini. C'est pas fini du tout. Il y a plus de corruption encore. Sauvegarde. Je m'appelle Mike, ce wagonnet chaotant me fait souffrir le postérieur. Oups. Au lieu de me plaindre, j'aurais pu voler jusqu'ici, sans blague. Ce niveau remix vous propose un mélange de mini-jeux de vie quotidienne, fantastique, technologie et Nintendo. Allez, on monte. Passons à la deuxième partie de l'histoire. Kat et Anna, les animaux. Ce niveau a été préparé par ces deux petites pestes qui se prennent pour des ninjas. Kat et Anna. Ah mon dieu, Katana. Katana, bordel. C'est quoi leur thème déjà? Ah oui, les animaux. Préparez-vous à rencontrer plein d'animaux féroces et faites pas n'importe quoi, hein. J'ai aucune envie de finir en pâté pour fauve, moi. Ah ah ah. Kat et Anna, Katana. Mon dieu. Yeah. Yeah. Elles sont symétriques. Oh. On vous a retrouvé. Dites-moi, pourquoi sautez-vous sans arrêt? Vous me donnez mal au cou. On peut pas s'arrêter. Nos jambes, elles sautent toutes seules. C'est notre super pouvoir de ninja. Je suis J1 et moi J2. Ces jumelles vont à l'école maternelle. Mon dieu, on régresse en fait. Mais ce sont des ninjas. Kat est un rien plus âgé qu'Anna. Kat et Anna sautent sans arrêt. Kat lance des shurikens vers la droite. Anna des shurikens vers la gauche. Même principe que les taxis. Ah oui, sans arrêt. D'accord. C'est sauté sans arrêt. Donc je me suis... D'accord, ok. Je ne contrôle pas du tout cette chose-là. Vous savez quoi? Il y a un truc bizarre qui a sauté dans notre niveau. Vous pouvez nous aider à en venir à bout si vous n'avez pas trop peur. Allez, je suis auto encore une fois. En avant. Monotonie les bains. Sort de ninja. Marionnette. Wow. Bah, ça veut dire qu'il y a un perso qui est méchant dans les bugs là. Ah oui, sort de ninja au dodo. Ah.
Oh, le pauvre. Studio Shuriken. Sort de ninja, métamorphose. Un lion. Je te suis 4. Retournez. Sauvez les tortues. Une tortue a atteint l'océan, mon dieu. Nous avons des fusées quoi. Nourrissez-les. C'est bon. Je disais quoi? Oui, les vis sont les feux d'artifice là en bas ou les rouleaux de parchemin, je sais pas ce que c'est. Mon dieu, j'ai peur. J'ai fait n'importe quoi encore une fois. Oh, j'ai la petite patoune du chat. Oui, mais je dois faire quoi? D'accord, ok. C'est comme les pingouins dans Mario 64, quoi. Ok. Mais arrêtez quoi? Ok, c'est... D'accord. Oui, et donc? Le panda. Grou grou. C'est des caca de pigeons. D'accord. On en est là. On est dans le roi lion. Ok. Ce sont des parchemins de ninja. Ninju, d'accord. Il y avait un chien dans l'œuf, bien sûr. Ouais. Ah, j'ai changé de perso sans le vouloir. Boss! Mémorisez bien. Un gorille bleu, un gorille bleu qui dort. Un perroquet arc-en-ciel, un Nara. Deux grandes girafes, trois petites girafes. Première question. Le lui. Deuxième question. L'éléphant. Les girafes. Punaise, la pomme, s'il y avait une question sur la pomme, je l'aurais pas eu. Le lion, il est content. Je fais cette danse tous les matins. C'est faux. On a réussi, mission accomplie. Kat et Anna se joignent à vous. Allez, plein de pièces, voilà, c'est fait. Ok, il y a une zone là, il y aura une zone à gauche, à droite, en face, il y aura encore une zone en face, il y aura peut-être une zone à gauche encore là-haut, là. Je sais pas si ça fera partie de la même chose. Je ne sais pas du tout. Alors, le texte. Moi, c'est Kat avec ma sœur Anna, on a écrasé ce bug, mais ne baissons pas notre garde pour autant. Nous avons préparé plein de mini-jeux d'animaux. Vous alliez rencontrer des insectes, des chatons et des fleurs aussi parce qu'on aime la nature. Peut-être que les animaux sauvages nous laisseront les caresser si on réussit à battre des records. Alors, je vous propose soit acheter nourriture,
Waouh, nous voilà arrivés au niveau nourriture d'Ashley. Cette petite sorcière a un bon coup de fourchette. Je l'ai vu engloutir de la glace, du riz sauté, des harengs marinés. Nia, c'est malin, je les crois maintenant. Quelle injustice, gras. Ou alors, Orbulon Culture. Orbulon a préparé un niveau baptisé Culture. Ouh, c'est pour moi ça. Tout plein de mini-jeux sur le thème de l'histoire et des traditions du monde. Ah mince. À tous les... Oups, je me suis endormi en pleine phrase. Ouais. Faut dire que l'histoire et la culture dans le genre soporifique. Oh, quand même. Enfin bon, nous avons des bugs à éliminer dans ce niveau, donc... alors quand faut y aller. Ou bien Bob Ross, Jimmy T-Sport, qui n'est... Ouais, Bob Ross, quoi. Voici le niveau sport que Jimmy a préparé. Il suffit de renifler un bon coup pour savoir qu'on va y trouver plein de mini-jeux sur le thème... Ouais, alors attendez, renifler sport, ça fait très drogue, quand même, excusez-moi. Plein de mini-jeux sur le thème du sport, du type basket et autres. Ce parfum de chaussettes de sport imbibé de sueur, ça fait rêver. Oh! Mais c'est un jeu Peggy combien, ça? Sérieux? Ah, apparemment le chat demande Orbulon. Allez. Au boulot. Go pour Orbulon. Orbulon, bulon, bouillon culture. C'était quoi ce bruit bizarre? Aïe aïe aïe, j'ai peur. Oh punaise, ça va être un perso chiant à jouer. Espèce de dingue, qu'est-ce que tu fabriques? Oups, désolé. Cet extraterrestre dit qu'un jour il envahira la Terre et s'imprègne de notre culture pour s'y préparer. Ah, il est en train de s'y imprégner, d'accord. En activant son rayon tracteur, Orbulon aspire les objets au-dessous de lui. Aspirez tout. Donc là, ça va. D'accord. Mon rayon tracteur, il n'arrive pas à enlever ces traces bizarres. Ça ne disparaîtra pas comme ça. On doit d'abord éliminer les vilains bugs. D'accord, dans ce cas, Orbulon va chasser ses envahisseurs avec style. Ah ben, ouais, c'est bien. J'ai pas fait tout à fait dans l'ordre. Choix auto. Ah, il y a 4 personnages cette fois. D'accord. Autour du monde avec Orbulon. Bienvenue, partons en voyage. Désert de Goro. Ville de Takeshiko. Oh, la pauvre. J'admire vos sites. Il est en train de tout voler surtout. Île d'Okala. J'absorbe votre culture. Le vaisseau grandit. Hein. Maison de Wario. Ok. Il a ramené la mer grand. Oh, il y a des Manikineko. Plein de souvenirs, je vous les offre. Trop rigolo cette alien et les starts avec Kat et Anna, vous étiez déjà 4. Oui, c'est vrai. Oh, c'est un disque avec des statues qu'il a... Reproduisez. Ouais, alors par contre... c'est vrai, le temps que je réagisse. Oh, la vieille télé. Faites-la basculer. Réussi. Easy. Ça va. Je suis prêt. Allez, on s'accroche. J'y étais. Punaise, non, j'avais oublié qu'elle se déplace automatiquement. J'ai perdu ce niveau. Ce niveau est nul. Enfin, nul, non, c'est moi qui suis nul. Pourquoi game over? C'était pas boucher-le? C'était déboucher-le?
Vraiment? Oh le petit corgi. Je suis prête. Trouvez la même. Punais, je l'ai raté. Je l'ai raté, je suis allé trop vite. Ah, c'était simple pourtant. Faites-la basculer. Allez, la daddy. On enchaîne. Dégagez la vue. Moi, je me trompe pas. Ah, débouchez-le, voilà. Fromage sur 20 en Suisse. Équilibré. Ah ok, j'ai compris. Ah non, c'est bon. Voilà ça. C'est vrai que lui, il aspire. J'ai oublié. Quoi? J'ai pas compris. Ok, j'ai compris. J'ai raté, mais j'ai compris quand même. Ça va. Pourquoi c'était pas bon? Pourquoi j'ai perdu? Ça a pas fonctionné? On recommence. Pff, allez, c'est bon, je peux recommencer direct. Ah non, je suis punaise, je suis obligé de continuer. Mais la scooter, je l'aime pas. Processeur activé. Accélération en cours. Éteignez. Ah punaise, c'est le feu en bas, je croyais que c'était le... Non, j'aurais dû changer d'équipe. C'était ça? Ok. Je m'attendais pas à ce que le cerceau se baisse. Ah là, ça va être quoi? Équilibré. Voilà. Eh ben, il y en a deux partout là, c'est bon? J'ai eu peur! Ah, le feu il est dessus maintenant. Tu m'étonnes que j'ai été perturbé juste avant. Une sucette rose. Riez comme ça. Ok, c'était un petit pain. Ou un bretzel peut-être. J'ai pas compris. Ça, je te comprends pas, ça, en fait. Je sais pas ce qu'il faut faire. Mettez en lumière. Oh. Opéra. Faites-la avancer. Ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, mais trop tard. Ah, ça a fonctionné quand même. Ouf, ça va.
C'était pas un petit pain. D'accord, infusé. C'est bon, là l'infusion a fonctionné. Salade. Ouais, c'est pas la salade, c'est du bonsaï, qu'est-ce que je raconte? Le boss. Normalement, c'est bon ici. Si je perds là, je recommence. Un écran plat. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est sur la Tamise, Londres, ok. Il va un peu vite, hein. Oh punaise! Ok. Ouh l'oiseau! L'oiseau il a failli prendre le pont. Mais il me troll! L'oiseau me troll. J'aime bien la musique. C'est bon? Presque. Ah, le jeu qui répond à ma question. Ouf, ça va. Ouf. Voilà un beau pas en avant pour mon invasion de la Terre. Orbulon se joint à vous. 1000 pièces. Sauvegarde. Salut les humains, je suis Orbulon. Ce bug que j'ai aspiré fait maintenant partie de ma collection. Et je peux enfin explorer le jeu. Mon niveau est une leçon de culture sur votre planète. J'ai absorbé plein d'éléments de votre histoire et de vos traditions. Vous pouvez jouer à mes mini-jeux autant que vous le voulez. Allez, direction Ashley. On a déjà lu ça. On fera Bob Ross à la fin. Cet endroit-ci me semble particulièrement touché par la corruption. Oh, une sorcière. Ashley, j'aurais dû savoir qu'on allait te trouver ici. Dire que pour une fois, je m'amusais presque. Cette apprentie sorcière n'aime pas les émotions ni les trucs mignons. Elle aime la nourriture, la magie et un peu raide. Elle lance un sort dans la direction où elle est orientée. Ok. Je sais pas ce qu'elle dit. Il est temps de trucider du bug. Toi, tu viens avec nous. Et pourquoi? Parce que je l'ai décidé, voilà, et aussi parce qu'on a besoin de toi. Ben voyons, évidemment. Toi, auto. Oh non, il y a le scooter, je veux pas le scooter. Ouais, on va essayer ça. C'est parti. Un manoir. Manoir d'Ashley. Achoum, encore. Pardon. Waouh. Le repas arrive.
Ah ouais. C'est pratique ça pour cuisiner. Donut. Ajuster le poids. J'ai pas eu le temps de comprendre. Mangez tout. Du miel. Non, c'était pas du miel, c'était quoi? Oh, c'est un cœur en maïs. Ah, laissez juste le bonbon, d'accord. Mais qu'est-ce que... Mais comment vous voulez que je sois aussi rapide avec ça? J'ai rien compris. La vie, c'est des fourchettes. Hein. La vie, c'est des fourchettes. Ok, jus de fruits, c'est bon. Mon dieu, pauvre banane. C'est dur, c'est difficile, hein. Game over en ketchup. On recommence. Il y a trop de persos différents. Ajustez le poids. Non, l'autre côté. Brocoli. Oh mon dieu, c'était un... D'accord. Manger des légumes. La banane. C'est tellement difficile en vrai. Oh le petit cœur. Ajustez le feu. C'est bon là? Ok. C'était quoi? C'était un bœuf bourguignon? Non, c'était une blanquette de veau peut-être. Allumez-les. C'est un fraisier, j'aime beaucoup les fraisiers. Asseyez-vous. Voilà. Moi j'ai droit à du pain au lieu des spaghettis. Retirez l'intrus, c'est quoi l'intrus? Voilà. Ouais. Ok. Oh non, pas ça. Bon, ça va, il a tourné qu'une fois. Ouf. Bah, c'était un nugget. Boss, étoile. Ah, c'est bon, j'ai compris. Faut quand même que j'aille. D'accord. Pourquoi? Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi j'ai perdu au boss? Pressez du jus.
Ok. Ah, j'ai compris pourquoi. C'est pas facile, hein. Ok. Ashley se joint à vous. Une pièce. Chandelier, burger, donuts. Le repas parfait. Moi, c'est Ashley. Moi, je m'amusais bien avec ce petit bug dans mon niveau, mais c'est fini. Maintenant, il faut que je travaille ma magie. Comme ça, je pourrai en invoquer un autre quand je veux. Mes mini-jeux sont consacrés à la nourriture, mais ils ne vous rempliront pas l'estomac pour autant. D'ailleurs, ça y est, j'ai encore faim. C'est nul. Allez, direction Bob Ross. On l'a lu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y fait tout sombre, c'est déprimant. Je dirais plutôt que c'est effrayant. Le docteur Krigor a peur du noir. Voyons, mon intelligence est trop supérieure pour de telles peurs irrationnelles. Irrationnelles. Eh oh, il y a quelqu'un là-dedans. Ah. C'est du propre. Je le savais, intelligence supérieure, feu, c'est du propre. Dimitri, sur la piste de danse ou à la salle de sport, ce roi de la disco a le rythme dans la peau. Oh man, c'est cool. Oh mon dieu, des jeux de rythme. Si c'est les vrais jeux de rythme, je suis mort. Il attaque dans la direction où il est incliné. Donc en gros, c'est une sorte de double saut, quoi. Oh yeah. Ma belle piste de danse. Tu sais, on peut la réparer, mais pour ça, il faut qu'on élimine les bugs. Ouais, c'est bon, ça, ces bugs n'ont aucune chance face à mes pas de danse. Allez, le choix auto, prier pour qu'il n'y ait pas le scooter. Ok, il n'y a pas le scooter. Le show va commencer. Club des muscles. Les musclés. Salut les musclés. Boule disco. Allez, musique. Bob Ross Goldé. Il est shiny. J'ai peur que ce soit des jeux de rythme en vrai. En piste, les vis sont dissipées, gonflées. Okay. Ouais, c'est pas du rythme. Je suis allé dans le mauvais sens. C'est une parodie à la Just Dance derrière. Mettez dans le chariot. Voilà. J'adore. 1, 2, 3.
décroche. Ok, la top à la fin. Copy top. Oh punaise, pas ça. C'est bon, ça va, ouf. Allez, punaise, il fallait juste que j'aille en dessous. Faites-le frapper. Ouais, frappe. Voilà, tout simplement. On aurait dit Donald Trump, n'empêche. Remontez la prise. Hey, yo, super. Poisson sur 20. Faites-le s'entraîner. Mon dieu, ses muscles. C'était moche. Je sais pas. J'ai pas regardé. Ok, c'était au pif. C'était au pif, mais j'ai eu juste. Ah. 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 Allez, allez. Juste, juste. Boss. Boss. Attends, Bob Ross. Ouais. Rob Boss. Rob Boss. Ok, Candy Crush. Qu'est-ce que c'est que ça? Punaise, c'est de l'escalade. Oh, oh là là, mais... Oh punaise, mais comment vous voulez que je fasse ça, moi? Oh, je le fais descendre. Allez, sur la droite, le pied là. Voilà. C'est super difficile. Oh, ouf. C'était très très dur, pour de vrai. Bon, il n'y a pas eu de game over. Moi. Yo. C'était tellement cool. Dimitri se joint à vous. 1000 pièces. Ça va être un niveau remix. Oh yeah, me voilà Dimitri, ce méchant bug cherché t'a imposé son tempo dans mon niveau, mais je l'ai écrasé une bonne fois pour toutes avec mes pas de danse. Yo, mes mini-jeux ont pour thème le sport. Essayez d'établir des records et activez-vous sur la piste de danse. Allez, musique. Allez, niveau remix, 2.0. On est super loin, c'est pas le moment de rebrousser chemin. Eh ben, il est quand même vachement grand comme jeu. Vous ne trouverez pas. Remix 2.0, ça veut dire qu'on risque de retrouver n'importe quel des mini-jeux qu'on a rencontré jusqu'ici. Moi, Rara, même pas peur, on y va. N'importe quel des mini-jeux, on retient. C'est l'heure. Quelqu'un dans le chariot. Encore un wagonnet, c'est moi qui conduis. Il y a quelque chose dedans. Je le sens pas trop, laissons tomber ce wagonnet, partons plutôt par là. Un fantôme? 9 volts, voyons! Ah mais c'est 5 volts. Ouah, maman! Sa mère! C'est sa mère! C'est inacceptable. C'est inacceptable, tu ne pars pas tout seul comme ça. Ce n'est pas prudent. Ces accès de colère, ça me donne toujours envie de dormir. Il lui arrive quoi, ta mère, à ton autre mère? Je crois que quand elle sort de son corps, elle sort de son...
qu'elle sort de son corps quand elle rêve. C'est classe, y a pas à dire, mais ta mère fait un peu peur. 5 volts. La maman de 9 volts est douce et gentille, mais quand elle se fâche, elle se met littéralement hors d'elle de colère. 5 volts se téléporte là où se trouve son esprit et génère une puissante onde de choc. Elle ne peut cependant pas se téléporter partout. Ça, c'est intéressant comme gameplay. Ok, d'accord, très bien. Allons-y à fond, il n'y a pas de temps à perdre. Le petit photo. Allez, concentration, c'est un wagonnet. Elle fait flipper. Ah, tu vois. Wagonnet sur 20. Celui-là, c'est bon. Miaou. Je le comprends pas celui-là. Ah, il y a juste à sauter dessus, d'accord. Oh, c'est bon, je l'ai compris. Hein. Brisé. Voilà. J'y arrive pas. J'ai pas réussi du tout. Là, ça m'a perturbé. Ok, ça va. Ok. Bon, tant que c'est sur des personnages qui volent, ça va, celui-là il est simple. Oh, boss? Non. Pour une... Non! Oui! Non, punaise, j'y étais. Ok, c'est bon. Boss. 8 boss, c'est bizarre ça, normalement. C'est pas rond. 19. Oh, le 20. Mais c'est avec elle. Pressez du jus. Non, ne gaspillez pas. Oh, punaise, j'ai compris. Yes. Je crois que j'ai mieux compris le boss en fait. C'est pas fini ? C'est pas... Si c'est bon, c'est fini. Ouf. Nous
nous sommes bien amusés. Ok. Ah bah elle s'endort. 5 vols se joint à vous. 1000 pièces. Sauvegarde. Bravo à tous, continuez comme ça, je suis 5 volts, c'est mon premier voyage en wagonnet de mine. Ça fait penser à un tour de montagne russe. À propos, ce niveau s'appelle Remix 2.0 et il donne l'impression de traverser un parc à thème. Vous y retrouverez des mini-jeux, des genres, animaux, sports, nourriture et culture. Efforcez-vous d'établir des records. Allez, Wario, un peu de tout. Est-ce que c'est le dernier? Je sais pas. Nous voilà enfin arrivés au bout. C'est le niveau le plus dur, alors forcément c'est moi qui l'ai fait, mais c'est pas du tout l'aspect que j'avais donné à mon niveau final. Qu'est-ce qui est bien arrivé à mon chef-d'œuvre. Waouh. Volt, c'est aussi un Disney aussi. Oui, Volt, c'est un Disney que j'ai pas vu d'ailleurs. Mais oui, c'est Volt, le chien, je sais plus quoi. C'est un chien blanc. Au boulot. Ok. Ok, ça va être enfin être intéressant. C'est le dernier niveau que j'ai fait. Non, il y en a de la corruption ici et pas qu'un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bug en chef. Hey. Grrr, il envahit mon précieux jeu et nous devons absolument l'arrêter. Celui-là n'avait pas l'air d'être un bug ordinaire, non? Restons prudents. 5 personnages. Allez, on va tenter avec ça. Allez. Je m'attends à 20-30 niveaux là. Satellite. Retour de la NASA. L'aspirateur qui se barre. Oh punaise, tout va être mélangé. Il est envahi le coronavirus. Oh! Wow! Qu'est-ce qui se passe? Hein? La vie, c'est la vie. Reproduisez 344. Tellement eu peur. Les bananes! 2. Tirez quoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Remontez le trésor. Ok. Bah, c'est une carte gold, c'est même pas un trésor, c'est une carte bleue. Là ça va, c'est juste aller sur les côtés. C'est un honneur. Trouvez son nez. C'est toujours un plaisir. Gagné. Pierre, feuille. Pourquoi? J'ai perdu? Non, c'est bon. Pourquoi j'ai perdu? J'ai pas tout capté là, je vous avoue. On recommence et là, la personnage qui m'a gêné, c'est la petite qui saute.
Pour changer d'équipe. On va essayer. J'ai le droit de reprendre Wario? Alors qu'il y a Wario qui s'est fait. Bizarre. On va prendre. Ashley, je l'aime bien. 5 volts, je l'aime bien. Igor, ça peut passer. J'aime bien Mike. J'aime bien lui. C'est parti. Allez, on repasse l'extrait. Non! Punaise, mais il tire de partout! Ah! Oh. Ok, ça, je viens de comprendre. Il sur le nez, oh! Non! Il peut aller sur les deux! Ok. Il peut vraiment aller sur les côtés. D'accord, d'accord, d'accord. 3. Les bananes! Trouvez son nez. Bye. Ça, ça va. C'est parti. Faites-les tomber. Voilà. Embarquez-la. Quoi, embarquez-la? Mon dieu, quel magnifique dessin! Pas compris. Récupérez le diamant. Allez à l'intérieur. D'accord. On y va. Évitez l'écrasement. Protégez le trésor. Ok. Choisissez la réponse. Qu'est-ce qui avance sur l'attracteur? Non! Mais bien sûr! Décollez-les! Empêchez le vol! Boss, ok. Là, ça rigole plus. Un WC? Pourquoi c'est un WC? Poursuivez-la. C'est un monsieur qui? Derrière, c'est des têtes. Ok, du mucus. Okay, c'est des mucus qui nous suit, très bien. Les nez nous bloquent. Qu'est-ce qui se passe? On est sur un WC. Un WC sur un WC. Oh oh. Mais j'esquive quoi? Oh. Quoi capturer? Capturer quoi? Oh! D'accord, capturer le chiotte. Ok. C'était... Ok. Ah non! Faut tout recommencer? Mais j'étais au boss!
C'est l'autre. Punaise. J'ai vraiment du mal au pierre feuille ciseau de cette façon. Tout à l'heure j'ai réussi, je vais pas réussir là. Sérieux. 414. Ah mais c'est pas des bananes. C'était dur ça, avec ce personnage. C'est passé? Violet. Dur avec les gameplay des différents persos. Faites gagner Wario. Voilà. J'ai pas compris. Reste qu'une vie. C'est mort en fait. C'est très dur. Là avec ce personnage il est impossible, vraiment. Remontez le trésor. Esquivez. Ça sera activé. Trouvez son nez. Ok, yes. J'y étais.
Ok, alors lui, je pense que je vais l'enlever. J'enlève ce personnage là, celui qui bouge pas en fait. Allez, changer d'équipe. Alors j'aime bien la sorcière, j'ai dit. J'aime bien le robot. J'aime bien 5 volts. Wario à la limite. Et Bob Ross. C'est parti. Faites-les tomber. J'y arrive pas. Non. Oh. Ça sera activé. Reproduisez. 4. 1. De l'argent. Trouvez son nez. Correct. Très bien. Remontez le trésor. Sérieux, Bob Ross là? Punaise. C'est tellement difficile. Tellement, tellement difficile. Reproduisez. 2, 3. C'est banal. Ça me stresse maintenant ce truc d'esquiver quoi, c'est... Pierre. Il tombe pas. Tendu. Super.
des chaussettes. Là, je referai pas tout, hein. Je utiliserai les pièces. Hein. Allez, le WC. Non, je voulais juste passer en fait. Pourquoi? C'est quoi qui m'a touché? Qu'est-ce qui m'a touché? Je l'ai eu. Punaise, c'était pas si compliqué en vrai. Ah d'accord, donc c'était des fesses. Et les WC viennent des bouches, d'accord. Ça bouge la mauvaise haleine, très bien. Parfait. Bien joué. C'est pas fini ? De tout, c'est pas fini. Ok, cette fois nous t'avons coincé. Non, c'est pas en vrai. Toutes les perturbations disparaissent. Qu'allons-nous faire de ce bug géant? Je crois qu'on devrait le laisser tranquille. Il est répugnant et destructeur, parfait pour mon niveau quoi. Zip Zorp, merci. Ah, maintenant il est content. Bah il se casse. Voilà qui est étrange. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. Pardon. Je suis le développeur suprême, celui qui veille à la destinée de ce jeu en quelque sorte. Mais... Ok. En fait, c'est moi qui vous ai aspiré ici. C'est à moi que vous devez toute cette aventure. Quoi? C'est quoi cette histoire? Tout le monde sait que c'est moi le patron. Oui. Oui, j'ai eu besoin d'aide et les bugs envahissaient tout. Ne voyant pas d'autre solution, je vous ai tous fait venir. Un grand merci à vous d'avoir nettoyé leur pagaille. Vous pouvez à présent rentrer. La sortie est juste ici. Je suis sûr que c'est un piège. Je pense que c'est un piège. En route pour la maison. Oui. Je vous en prie, revenez jouer quand vous le voudrez. Ah non, c'est pas un piège.
Allons-nous-en d'ici et vite avant que je me rappelle ce qui m'échappe. Ah voilà, c'est pas fini. Mission terminée. Bugs. Attendez voir. Je vais être riche. Évidemment. Évidemment. Les autres ? Quels autres ? On y retourne. C'était pas fini. Vraiment ? C'était pas fini. Yes. Moi, il m'en manque 100 du coup. Et oui. Vous pouvez maintenant regarder la vidéo fin d'histoire quand bon vous semble. Vous avez débloqué les modes variés dans le menu principal. Alors, avant d'aller là-bas, voyons ceci. L'histoire, on revoit la cinématique pour enlever le petit plus là, le petit nouveau. Voilà, c'est fait, c'est vu. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut même plus faire une petite bavure de rien du tout sans se faire courir au train à travers les bureaux. Grrr, vous pouvez venir ici et regarder à nouveau la cinématique de fin quand vous aurez vu après le niveau un peu de tout. Ok, si vous y tenez, mais quel manque de respect pour le patron quand même. Moi, nous avons battu ce niveau et son stupide bug, bon, il s'est bien battu. Le grand Wario est généreux et lui pardonne. Voici un peu de tout mon niveau final, contrairement à mon niveau intro. Les mini-jeux n'y vont pas de main morte. Ici, le terrible Wario Bug peut attaquer à tout instant. Soyez sur vos gardes. Apportez-moi des records. Et donc, que se passe-t-il dans ce tuyau ? Trois zones, quatre zones, je dirais quatre zones en vrai. Tout mélangé, vous y croyez pas, on avait enfin réussi à s'échapper du jeu. Et voilà qu'on a aussitôt fait demi-tour pour y replonger. Bon, bah il nous reste plus qu'à aller de l'avant. Ce gratte-ciel qui se dresse juste devant nous semble être le niveau tout mélangé. Il doit contenir un assortiment de mini-jeux de tous les genres. Bah on va venir à bout, allez, vous allez voir. D'accord, tout mélangé. Je dirais bien qu'il y a 3, 4, ouais, 3-4 zones. Au secours. Vous êtes revenu. Eh bien, quel empressement. Bienvenue. Il semble que certains de nos amis soient restés coincés dans le jeu. Trois de nos amis, en fait, devaient absolument nous aider. Bien sûr, je vais vérifier. Oui, c'est étrange. Il semble avoir été capturé par quelque chose. Ah, vous voyez, c'est pas fini. C'est pas possible. Je croyais qu'on s'était débarrassé des bugs. Ce n'est pas là l'œuvre d'un bug. Attendez. Oh, mais ça alors. L'un de vos amis est tout proche. Quelque chose me dit que ça pourrait être dans cette tour. Allez, en piste. Au secours, Red, venez me chercher. Red, qu'as-tu encore fabriqué? Je savais que tu viendrais à mon secours. Il pose des bombes. Red, ce petit démon est un peureux de première. Malgré tout, il assiste avec soin sa sorcière préférée, Achille. Red lâche à la verticale des bombes qui explosent à l'impact. Détruisez. Ok. Je suis si content de te revoir, cette grosse chose m'a enfermé ici. Mon dieu, attendez. J'espère que c'est pas une tour infinie en vrai.
As-tu vu par où cette chose est partie? Je suis quasi sûr de l'avoir vu prendre cet ascenseur jusqu'au 18e étage. Il est temps de passer à l'action, tous à l'ascenseur. Alors on va prendre Red, bah j'ai pas le choix de toute façon. J'aime bien Ashley, j'aime bien 5 volts. J'aime bien Mike. Et Krigor. Des bananes. Ajuster le poids. Ça commence bien. Je vais pas bouger. Avec une bombe, ça aurait fonctionné. Oh punaise, faut que j'aille à l'envers. Il est super difficile. Tac. 3. Mettez en lumière. Waouh. Mario Chevalier. Dernier mini-jeu. C'est qu'une vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Un coffre. Il est parti. C'est une blague, cette chose vient de sauter par la fenêtre du 18e étage. Il a laissé tomber quelque chose. Un nid d'abeilles dorées, qu'est-ce que c'est? Un trésor. Restons concentrés, il faut aller sauver les deux autres disparus. Bah ouais, mais ils sont pas là. Tout à fait, partons vite rechercher d'autres trésors, je veux dire nos chers amis. Oula, il y a un mouvement. Le niveau suivant nous attend. Red se joint à vous. Vous avez terminé. Bon, bien, 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 là, bien, bien. Oh, mais c'est que, en fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 en fait. Bon, Red qui s'y dit. Ah, je suis sauvé, bon, je me présente, moi c'est Red, j'ai bien cru que personne ne viendrait me sauver, mais j'ai pas eu peur, j'ai même pas pleuré. Ça, c'est le niveau tout mélangé, il propose un assortiment de mini-jeux de tous les genres, il est super difficile, alors faites de votre mieux. Ah là là, je suis si content que vous soyez là. Ensuite, super difficile. Notre prochain objectif est le building super difficile. Building. Dans ce niveau, les mini-jeux ont dès le départ une vitesse ultra rapide. Moi, j'adore quand ça va vite. Alors, on appuie sur le champignon et on fonce, moi, Ça, ça sent le game over. Je vous le dis direct. Maître. Regardez, même un prisonnier, il reste d'un calme absolu. Ça, c'est un maître. Il en a juste eu marre d'attendre et il s'est juste endormi, c'est tout. Master Mantis, maître en arts martiaux, il entraîne son disciple Cricket. Sa force serait exceptionnelle, mais il est rare qu'il se batte. C'est un sauteur. Mais il peut marcher au plafond. D'accord.
j'ai compris. Il va être super intéressant, mais pas facile à prendre à main. Je vous suis extrêmement reconnaissant pour votre aide. Alors où est partie cette chose? Vous avez vu si elle avait un trésor avec elle? Oui, je ressens la présence de notre ennemi quelque part au 10e étage. Alors en route pour le 10e étage. Il est super motivé. Comme tout à l'heure, je vais prendre 5 volts, red, Mike, Jimmy au final, Ashley. Des bananes, Jimmy, allumez les bougies. Voilà. C'est un balai. Allez. Mais il va trop vite, j'y comprends que dalle. Ça va tellement vite. Un nouveau coffre. Encore un trésor, je le savais. Un rouleau de papier toilette doré. Un nid d'abeilles doré, un rouleau de papier toilette doré. Voilà un drôle de trésor quand même. Et alors un trésor, c'est un trésor. Allons-y, il reste une personne à libérer, ce n'est pas le moment de faiblir. Master Mantis se joint à vous. 1000 pièces. Je suis Master Mantis, vous avez ma gratitude pour ce sauvetage, mais j'étais sur le point de lancer mon propre plan d'évasion. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Voici le niveau super difficile où les mini-jeux ont dès le départ une vitesse très rapide. C'est certainement un bon entraînement pour vous. Bien sûr, lancez-vous, mettez-vous en pratique et mettez en pratique vos talents. La mort subite. Oh mon dieu, ça pardonne pas. Alors comme ça, le prochain trésor nous attend dans l'immeuble mort subite. Dans ce niveau, nous allons affronter des mini-jeux dès le départ au niveau le plus difficile. Et à la première erreur, nous serons aussitôt mis hors jeu. Mais bon, ça risque pas de nous arriver, pas vrai? Si, si, ça va arriver. Allez-y, il y a un trésor là-haut, dégagez, il est pour moi. Cricket! Tu es venu me sauver, oh là, je ne sais plus parler. Tu es un guerrier fantastique, mon héros. Lulu. Cette fillette de Luxeville est aussi courageuse que casse-pied. Elle ferait tout pour Cricket, qu'il le veuille ou non. C'est la fille de François Fillon, au vu des sourcils. Appuyez sur A pour faire éviter Lulu. Une fois dans les airs, elle peut effectuer une bombe. D'accord. Une sorte de rodéo. Ah ok, d'accord, c'est avec le joystick bar. Okay. Ah, je peux laisser appuyer. Okay. Tout le monde est là, maintenant nous devons vaincre cet ennemi. Gamine, tu saurais par où cette chose est partie? 5e étage. 5 étages. Alors Lulu, oui. Red, j'aime bien. 5 volts, j'aime bien. J'ai dit Mike et j'avais dit Ashley. Un bébé gorille. Il n'y a qu'une vie. Hein. Trouvez la même.
J'ai failli appuyer une autre fois. J'ai vraiment failli. Ah, j'ai compris le mini-jeu. J'ai compris le mini-jeu. Ok. Eh bien c'est imperfect au final, pas de game over. Mais en même temps il y en avait que 5, je m'attendais à plus. Quelle est cette chose? Le voilà. Un mug percé doré, mais... Un papier. Qu'est-ce que c'est? Je vous défie d'assembler ces 3 trésors. Alors on avait le mug doré, le rouleau de papier toilette doré et le nid d'abeille doré. Il faut assembler ça. Je dirais le nid d'abeille, il bloque le trou sur le côté et le rouleau il va au-dessus. Un défi, j'adore les défis. Allons assembler-les plus vite que ça. Oui, mais j'ai... On est censé faire quoi juste avec ce bric-à-brac? Grigor, avec ton génial cerveau là, t'aurais pas une idée? Mon intelligence est exceptionnelle, mais là, ce n'est pas mon domaine, alors... Mais si, quel éclair de génie, ma petite fille Penny sera peut-être nous aider. Mais elle n'est pas là, Penny. J'ai hâte de voir ce que tous ces trucs assemblés vont donner. Lulu se joint à vous. Bah, elle est où? Ah, bah, c'est celle que je viens de... Pardon, j'ai rien dit. Je m'appelle Lulu, je voulais pas être sauvé par ce gros nul de Wario, mais je suis super contente que Cricket soit là. Voici le niveau mort subite, les mini-jeux ils sont incroyablement difficiles dès le départ, et vous n'avez pas le droit à la moindre erreur, un seul raté, et c'est terminé. Alors il va falloir vous donner à fond pour établir des records, ok? Ok. Remix de Penny. Il paraît que Penny s'est mise en route pour nous rejoindre. Non, c'est Penny qui cherche, pas lui. Oh là là, pardon. Elle croit vraiment pouvoir affronter tous ces mini-jeux, elle toute seule. J'ai les noms dans ma tête, ça brille. Et bien dans ce cas, on va appeler ce niveau le remix de Penny, moi. Il y a sûrement encore un trésor qui nous y attend, alors si la savante en herbe pouvait se pousser un peu au train. J'ai vraiment mélangé tous les noms des personnages en tête. Là, c'est... Mais il y en a tellement. En Wario, c'est plus facile à retenir. Combien de niveaux? Je crois que je vais appeler Penny à la rescousse. Les lunettes. J'ai fini. Propulso Jet 1.0. Ça fait penser à Sunshine. À un moment donné, mademoiselle, vous aurez peut-être plus d'eau. Oui, grand-père. J'arrive. Et voilà. Elle n'a même pas paniqué en mode vous êtes enfermé dans un jeu vidéo. Penny, cette savante en herbe, aime les inventions et chanter de la pop. C'est aussi la brillante petite fille du docteur Krieger. Donc Penny n'a pas un accent allemand. Là. Penny éjecte de l'eau dans la direction où le joystick est incliné. La force de recul l'a fait se déplacer dans la direction opposée au jeu. Déplacez-vous ici. D'accord. En gros, c'est juste des commandes inversées, quoi. Yeah.
C'est pas simple quand même, hein. Ce n'est pas simple. Les vis sont des clés. J'ai pas vu combien de mini-jeux, pardon. 14. J'ai raté. Ouais, j'ai complètement raté. Ça a fonctionné ? Elle chante bien. Je fais n'importe quoi. Easy. J'ai tout le temps fait la même chose quasiment, du coup c'était simple. Coucou. Coucou. Coucou tout le monde, désolé de vous avoir fait attendre. Je suis content de te voir et nous aurions besoin que tu... Que je transforme ces bidules en super invention. Aucun problème. Ah, c'est pas comme je pensais. Ouais, c'est ça. C'est pas dans l'ordre que je pensais. Du coup, maintenant, ça devient un arrosoir. Un arrosoir doré. Qu'elle arrose. Qu'elle remplit. Un WC. Comme par hasard. Oh mon dieu, ça fait de la magie. Un peu. Le haricot magique. C'est incroyable, c'est une tige de haricot géant. L'arrosoir doré a accompli sa tâche. Mon trésor, mon beau trésor. Il est temps d'escalader ça, il y a sûrement quelque chose là-haut. Penny se joint à vous. 1000 pièces. Vous pouvez maintenant regarder la vidéo Penny à l'aide quand bon vous semble. Ah, dernière zone? Non, je pense qu'il y a encore un truc quand même après. Ouais, voilà. Sauvegarde. Coucou, c'est Penny. C'est la première fois que je me retrouve à l'intérieur d'un jeu. Alors, j'ai voulu marquer le coup. J'ai baptisé ce niveau le remix de Penny. J'y affronte plein de mini-jeux de tous les genres, à moi toute seule. Jusqu'où vais-je réussir à aller? Il n'y a qu'une façon de le savoir. C'est parti pour l'expérience. On va juste enlever le petit nouveau. Voilà, c'est fait. Attends, il y a peut-être un truc à lire là. Tiens, mais c'est vrai, il nous manquait encore quelqu'un. Penny était pas avec nous. Quand ce fichu jeu nous a aspiré. Il faut dire, il y en a, ils ont de la veine. Il y en a qui ont de la veine. Vous pouvez la revoir ici, plonger dans l'aventure pour nous rejoindre avec la cinématique d'introduction du niveau remix de Penny. Allez, le haricot magique. Le gros machin est de retour pour un duel final. Ma moustache me démange tellement j'ai envie de lui faire sa fête. Le combat qui nous attend va être différent de tout ce que nous avons affronté jusqu'à présent.
Ce coup-là, va vraiment falloir se serrer les coudes et on se remue, c'est pour le bien de l'équipe. Ça fait des plombes qu'on escalade ce truc, il n'y a rien ici, rien de rien. La voilà, c'est cette chose qui m'a kidnappé. Elle a peut-être d'autres trésors. Chose, attends, reviens. On va lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Je sens que ça va être un peu long. J'ai pas le choix des personnages. Niveau 1. Éliminé. Round 1. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Round 2. Mais ça saute, mais elle saute... Juste. Ok, ça va être tous les personnages en fait. Oh là là. Non, Mike. Ok, c'est bon. Round 7, voilà. Okay. Ok. Allez, c'est passé? Ok. Eh oui, ça pardonne pas, bien sûr. Désolé les pièces. Hein. Ils ont facilité le niveau, je pense. Allez! Oh punaise. Oh non! Bird. Wario est tellement difficile à jouer. Là, tu es fait comme un rat, rends-toi. Mais c'est Pyro. Ah, c'est ce que tu disais, Imagiro, d'accord. Qu'est-ce que tu as dit? Je le savais. C'est Pyro, la star de ce super succès du jeu vidéo. Hey, toi, qu'est-ce que tu fiches dans notre jeu? Voyons.
Alors il dit, je suis juste passé jouer un peu ici. Et là, voyons, il leur demande, vous êtes-vous bien amusé avec moi? Non mais il se fiche de nous. Et alors, il est où le trésor? Quel trésor? Allez, tu as forcément un trésor pour nous récompenser, pas vrai? Dites-moi que c'est une blague. Non, ça ne peut pas se terminer. Ça ne peut pas se terminer comme ça. C'est pourtant la fin qui convient. Le plus beau des trésors, c'est l'aventure. Wow. Pyro se joint à vous. Pyro, ce bec, cette langue. Cette langue ? Le héros du jeu vidéo à succès semble avoir eu envie de s'amuser dans le jeu de Wario. Maintenez A pour être... C'est un Yoshi. D'accord, par contre c'est forcément en diagonale. Ouais, c'est forcément en diagonale. D'accord, ok. Pas simple. Casting du jeu. Wario. Sorcier de Mona, singe de Mona, éléphant de Mona. Mike McGregor, Doris 1. Dribble, Spitz. Volts, 13 amps, 5 volts, 9 volts, Fronk. Les lapins de l'espace. Richard, Doc, Zach, Kevin, Adam, Thomas, Furukawa. J'appelle le seigneur, le voyageur, la servante, le paysan. Les fans du club des muscles. Wafifi, Madame Bonchair. Léo, Kat, Anna. Ashley, Red. Young Cricket, Master Mantis, Jimmy, Lu et Joe. Jimmy. Orbulon. Penny. Le développeur suprême, les bugs, les méga bugs. Le développeur suprême, mais sérieux, le développeur suprême quoi. La tête qu'il a, Pyro. Oui. L'histoire est terminée, mais le jeu ne fait que commencer. L'histoire, en gros, c'est juste un gros tuto de prendre en main tous les personnages pour le vrai jeu. Vous avez terminé le niveau. Voici des pièces. Et du coup, il m'aura manqué 400 pièces parce que j'ai retry 4 fois. On peut regarder la vidéo. Vous avez débloqué les crédits. Ah! Vous avez débloqué conflit infini dans les modes variés. Vous avez débloqué la coupe Wario dans le menu principal. Vous avez débloqué de nouvelles options dans le menu perso. Vous pouvez maintenant choisir de jouer avec tous les personnages quand vous choisissez la taille de votre équipe. Bien. Allez, un peu de texte. Cette nullité de duel final n'avait même pas de trésor à nous offrir. Pour qui il se prend à débarquer là, de son propre jeu, rien que pour me donner de faux espoirs? Enfin, on doit pouvoir rejouer son niveau juste pour s'amuser. Notre équipe tout entière contre un Pyro géant. On a réussi une fois, on peut sûrement le refaire. Allez, on remet ça. On enlève la cinématique, on lit juste. Toute l'équipe est enfin réunie, même ce Picassiette qui a débarqué de notre jeu. Vous pouvez voir ici la cinématique qui présente le casting complet des personnages du jeu. Ce sont quand même tous de grands détraqués, exactement le genre de Zigoto avec qui je m'entends. Les crédits, si vous avez envie de voir les noms de toutes les personnes qui ont travaillé pour faire ce jeu, vous pouvez les consulter ici. Et c'est ce qu'on va faire, parce que c'est quand même, faut rendre hommage à toutes les personnes qui travaillent derrière un jeu. Un jeu, c'est pas juste pour s'amuser, il y a un vrai travail derrière. Beaucoup de gens, des graphistes, des musiciens, des devs, des programmeurs, plein de choses comme ça. Du coup, on regarde ensemble les crédits de WarioWare Get It Together.
Et le temps que les crédits défilent, je sais pas combien de temps ça va durer. Je vous remercie. Ouais, parce que je vais arrêter WarioWare juste après. Là. On continuera demain soir sur les autres modes. Oui. Voilà. Donc, si vous n'avez pas suivi le Twitch, suivez le Twitch. Si vous n'êtes pas sur Discord, viendez sur Discord. Les autres réseaux également. Abonnez-vous, tout ça. Demain soir, du WarioWare. Vendredi soir, Rayman Origins. Samedi matin, très tôt, Ring Fit. Et la semaine prochaine, il y aura d'autres choses. Voilà. Voilà. Et après cette petite session WarioWare, on va faire un poil de Pokémon Unite. Il y a la nouvelle saison qui arrive. Je vais voir la mise à jour du jeu, ce qui s'est passé, tout ça, s'il y a le français, etc. etc. On va blablater Pokémon Unite juste ensuite là. Il y aura une pause et après on enchaîne. Mais pas longtemps, pas très longtemps. Il y a plein d'artistes différents parce qu'il y a plein de styles graphiques différents sur BioWare. C'est vraiment pas mal. C'est toujours un plaisir. Ah mais je peux... Ah mais on peut... D'accord. On peut s'amuser dans les crédits. Ok. Je ne savais pas. Punaise, ça veut dire qu'en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. D'accord. S'il fallait faire ça depuis le départ des crédits, en fait, il va falloir refaire les crédits. Hein. Oh, je suis caché, regardez, je suis caché. Je suis pixel. Je suis un pixel, je peux... C'est pour faire des perleurs, des amas. Regardez. Bon, en très pixel, par contre. C'est rigolo. C'est vraiment pas mal. Dadadi. Au final, on respecte même pas les crédits, c'est horrible. Enlève-les tous si tu peux. J'en ai déjà raté de toute façon. Hein. Dès le départ des crédits, j'en ai raté. Que j'ai blablaté, j'avais pas capté qu'on pouvait s'amuser sur les crédits en eux-mêmes. Ouais, je me doute, il doit y avoir un succès ou quelque chose comme ça. Même le rayon il était pixelisé. Mince, mais du coup les noms ils sont pas apparus. Ah, c'est peut-être juste là. Ah, French voice. Ok, pour l'instant c'était pas des noms qui me parlent.
Frédéric, Geneviève, Martial, Minou, Donald, Rinou, faut rappeler, ok. Ouais, il y a des noms connus quand même. Hein. Pour les, le doublage français, il y a vraiment des noms connus. Italian. Voilà, je sais pas quoi. German, allemand. Spanish, espagnol. Allez, le voice. Dutch. C'est quoi la différence entre German et Dutch? Prendre des Dutch. Hollandais, autrichien. Russe. Oh. Ah punaise, mais j'arrive pas. J'ai raté, j'en ai raté un là. Dernier perso, normalement on est sur la fin des crédits là. Je pense. Certains éléments graphiques utilisés en jeu proviennent de Fire Emblem. Oui, on avait remarqué. 55 sur 65. Hop, et oui, donc j'ai bien raté des pages crédits. Ah, je le repasse. D'avoir joué. Voilà pour WarioWare, il y a tout ça à voir. On va juste passer ici. WarioPedia, tous les mini-jeux que vous avez découverts dans l'histoire sont rassemblés ici. Vous pouvez jouer encore et encore au même jeu en alternant les niveaux de difficulté en boucle. Entraînez-vous aux mini-jeux qui vous posent problème ou tentez de maîtriser à la perfection ceux qui vous plaisent. C'est fort pratique, n'est-ce pas? Vous pouvez accéder ici à diverses choses en rapport avec les personnages du jeu, personnalisez-les dans le salon des persos, procurez-vous au bazar des cadeaux à leur offrir, ou bien consultez les statistiques, amusez-vous bien. Des missions, accomplissez les missions pour gagner des pièces, donc en gros, faut que je récupère les 400 pièces que j'ai perdues.
Concentrez-vous sur votre score, cherchez à maîtriser un style de jeu complètement différent. Vous avez l'embarras du choix, consultez régulièrement cette liste, car de nouvelles missions seront disponibles à mesure de votre progression en jeu. Progression, c'est-à-dire l'histoire, parce que dans ce cas, il y aurait toutes les missions. Hein. Coupe Wario. Dans ce mode, vous jouerez à des mini-jeux regroupés en défis organisés par Wario. Un nouveau défi est proposé chaque semaine. Réalisez un bon score ou un bon temps pour gagner une récompense. Si vous avez un abonnement Nintendo Switch Online, vous pouvez tenter de battre le record en score ou en temps des joueurs du monde entier avec les classements. Mode varié. Les divers jeux que vous trouvez ici ont des règles un peu différentes de celles du mode histoire. Vous devez former une équipe avec d'autres joueurs pour affronter ces jeux ensemble. Mais si vous préférez jouer en solitaire, il y a bien sûr aussi des jeux à explorer en solo. Ok. Eh bien, demain soir, on s'occupera d'un peu tout ça, tranquillement, les pairs. On jettera un œil à tout ça. Voilà pour WarioWare d'aujourd'hui. Je fais une pause très rapide et après on passe sur Pokémon Unite. YouTube.